Hey, salut les gens, c'est Slan. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à faire dans l'épisode. On doit faire notre labo de recherche avec les recherches avancées et aller chercher l'armement de notre bateau et qu'à la fin de l'épisode, il soit armé et prêt à partir. On doit aller aussi, d'ailleurs, les recherches. Il y en a, je les ai pas. Oui, il y a des erreurs là-dedans, hein. Carburant avancé. Si, si, carburant avancé, c'était obligatoire. Et la suivante, c'est ça. Par contre, ça sera annulé. Ensuite, nous aurons les tuyaux, puis la production, la combustion de gaz, la fonderie, le bâtiment, le convoyeur, le traitement du soufre. Très bien. Nous y voilà. Bien, donc, les labos. La multiplication de la production des composants niveau 2 et 1. On va booster, on va transformer ça en usine améliorée. Et en plus de fermes et des fermes améliorées avec de l'eau. Évidemment, on doit pouvoir héberger plus de monde. Voilà, ça va piquer considérablement. Alors, la priorité pour moi, c'est je manque d'ouvriers. Donc, c'est de lâcher ça, de recevoir du monde. D'aller en chercher tout ce qu'il faut, même un tout petit peu, et de pouvoir héberger ça. Mais ça, malheureusement, c'est pas la solution pour l'instant. J'annule. Je vais la refaire, hein. Juste là maintenant, je le refais. Ici, ça, je vais le détruire. Mais on va mettre en place de l'eau et ça, c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite parce que ça va nous donner un petit avantage. Alors, ici, pour la ville, nous allons avoir l'installation d'eau. C'est parti. En face de l'installation d'eau, moi, je veux mettre une pompe à eau. Parfait. Et je vais relier ça avec un tuyau. Là aussi, ça m'a l'air formidable. Et maintenant, ça, je vais partir ici. Non, je suis à hauteur 2, pas à hauteur 3. Hop là. Mais qu'est-ce que tu me saoules? Pourquoi hauteur 3? J'ai dit hauteur 2. Et moi qui appuyais sur la mauvaise touche. Eh ouais, je sais, vous en doutiez pas. Hein. Eh non. Voilà. Ça va être super. Priorité des priorités, tout ça. Livraison rapide. Bah ouais, quand on peut faire rapide, autant faire rapide. Go! Ici, on va booster. Parfait. Et j'aimerais bien booster aussi un petit peu ça. Plus il y en a de fous, plus on s'amuse. On a la maintenance qu'on va devoir faire, on a la recherche qu'on va devoir faire, mais pour faire tout ça, il nous faut d'abord focus. D'abord, on n'a pas assez d'ouvriers, donc c'est la cata. On pourrait peut-être lui dire de faire des camions. A tellement de choses à faire. Les fermes, ça aussi, je veux faire les pièces mécaniques de côté. Ça, je veux le remettre en route et puis faire un petit stockage. Ça, je veux les améliorer. Et je veux commencer par ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Go, 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 go. Et pour l'instant, d'abord, faut amener ça. Hop, la livraison rapide. Ça, c'est trop beau.
Parfait, 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 ça y est. Regardez, 17 et 20, excellent. Quoi, vous m'avez amené des trucs ici? 116? Ah oui, bon, bah du coup, c'est pas mal. Allez, go. Va le faire. Bah ça aussi, du coup, en premier, tout en premier. Comme d'hab pour pas changer. 14. 40. Convoyeur à plat. Hop. On va relier ça. Toi. J'enlève la pose de la construction. Et on va immédiatement mettre derrière un petit stockage comme ça. Alors à part les tapis, normalement, tout le reste va se faire facile. Ok, là on y est ou on n'y est pas? 22, 40, 124, 140. On n'y est sur rien. Ah, les tapis. Bon, et puis là, c'est pareil. C'est le même principe. Stockage de pièces. Hop, un petit tapis de rien. Prioritaire. En même temps, je mets tout en prioritaire dès que c'est des trucs de niveau 2, donc certainement à rien. Pas assez de logements, je sais, c'est ça qui est prioritaire, plus prioritaire que le reste. Et bon, tu vois, ils s'en fichent, hein, ils amènent tout là. Je sais, c'est dur pour toi. Continuons, on a des sans-abri, on a des manques d'ouvriers. Ouais, c'est quand même moins prioritaire ça. Hein. Du coup. Et ce tapis aussi, c'est moins prioritaire. Et ça, je le mets en pause pour le moment. Et c'est des pièces mécaniques. Avec rien. Hop, ça c'est des pièces mécaniques. Et là, par contre, oui, tu peux les exporter. Ça, c'est des pièces de véhicule. Tu peux les exporter. Tu peux pas les machins. Là, c'est non et non. Ça c'est non, ça c'est non et non, ça c'est non et non, dis donc, qu'est-ce que je suis contrariant? Ça c'est non et non, ça c'est non et non. Ouh là là! Et ça j'aimerais bien le refaire aussi ce tapis. Et peut-être que... Ah, ça c'est fait! Il n'y a pas cette maintenance! On se calme. Et hop, hein, la ville va aller tellement mieux parce qu'elle a de l'eau. Et pas de déchets. Regardez-moi ça. Plus un... On va même regarder l'unité directe ici. Regardez, l'eau fait monter. 22. On est à 9 de total. Ça veut dire que ça va augmenter. On est à 28. Voilà, on est à 28 sur 28. Ce qui augmente la santé augmente de 0,59 plus l'eau. Donc du coup, le cumul des deux, là, j'ai gagné 1,59 par mois. Autant dire que je peux tout booster et que ma vie est belle, ça ne change rien, ça passe. Et ça c'est bien, et ça tombe bien que je booste tout, parce que regardez, on va commencer à mettre à jour tout ça. Les trucs qui boostent, les trucs qui boostent. Et là c'est pareil, je veux arrêter de booster, hein. L'électronique, ça arrive, hein, c'est stocké là. Donc il n'y a aucun problème pour que l'électronique arrive. J'ai 31 ouvriers. Je peux largement y aller. On s'occupe pas de la bouffe. C'est pas important la bouffe. Peut-être qu'on pourrait quand même débloquer celle-ci puisque j'ai 30 ouvriers. Et peut-être que je pourrais lancer quelques constructions de ferme. Genre une ici et une. Ici. Et peut-être qu'ici je devrais remplacer ça par des patates. Et là, mettre des légumes et ça, des légumes et des ça. Zou. Là, il a été upgradé. Retire-moi le boost. Pareil, retire-moi le boost et upgrade.
Et allez hop, le bureau du capitaine c'est fini. Et je n'ai pas fait les nouveaux labos, mais c'est pas grave, parce qu'ici j'ai plein de recherches. Allez, on va faire les nouveaux labos. À commencer par enlever les anciens. Je sais, c'est dur. Tiens, ça, je peux enlever la pause, je pense. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. On se calme, on se calme, on se calme. Il me faut plus de monde. Tu pourrais m'amener plus de monde, toi. T'es encore en train de m'amener plus de monde, donc très bien. Il me faut 24 personnes pour travailler dans les labos. Plus des gens pour travailler là, pour faire la maintenance et tout ça. Ah, c'est trop. Trop, c'est trop. Comment ça se fait qu'on n'ait pas les... Mais t'es sérieux? Allez, go! Oh là là, c'est lent. C'est lent. Allez, boost! Allez, livraison rapide. Tac! Et celui-là, il était upgradé. Ah, bah ça va, on avance quand même vachement bien. Oups! Il n'y a plus des personnes pour travailler à la maison. C'est parti. 6, c'est bien. Mais là, du coup, c'est 4 et là, c'était 6. Donc ça va passer, ça va passer. 2, par contre, pour les labos, ça va pas passer. Mais c'est pas grave, on va les construire quand même maintenant. Les labos, c'est parti. Ça rentre par là. 1, 2, 3, ça passe pas. On va changer. Amenez rien, amenez rien. Non, 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 non. Oh, je suis pas prêt. Voilà, attends. Tu permets? Je te jure. Truc qui se jette sur toi. Ça y est, ça y est. Non, ça y est pas, 2 secondes. Je choisis où je les mets, mes labos. Qu'est-ce que c'est? Réserve de nourriture basse. Ah, oh, ça va, on gère. Hop là. Bon. On va faire les tapis qui vont avec. Donc genre, hop, hop, 2. Comme ça. Puis ici. Je m'en pose, hein, parce que sinon ils vont me saouler. Pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais faire ça et repartir. Là, je voulais faire ça et repartir. Là, je voulais faire ça et repartir. Puis faire ça. Non. J'ai répété, chef. Ça marche. Voilà, hop, et là, c'est tout beau. Ensuite ici, je viens jusque-là. Je recommence. Je viens jusque-là. Puis j'enlève les piliers parce que c'est pas beau. Donc ça va m'en faire 2 côte-côte et j'aime pas ça. Très bien. Et là c'est pareil. Je vais t'enlever ton pilier. Voilà. Et maintenant, hop. Voilà, hop. On va tout mettre en rapide. Pour ça. Ah, hop. Ensuite ici. Une petite ici.
une petite ici, une petite pente, et ça c'est déjà fait, très bien, super, ça aussi, et parmi tous les trucs, ça sera celui-là, celui-là, parfait, on a déjà fait de la recherche, maintenant il ne reste plus qu'à faire de la recherche. 21, 9 mois, ben, la nourriture ça va, il n'y a pas assez de maintenance, mais on va jurer. La nourriture, oui, la nourriture, allez, c'est bon. Allez hop, la maintenance. La maintenance, il me faut des dépôts de maintenance. On va les mettre là. Ah oui, non, mais j'avais dit que pour la maintenance, d'abord, j'allais construire, j'allais déconstruire tout ça, là. Je sais, c'est dur. Zou. Et bon, on va le refaire. Ici. Hop là, donc on y va. On va même accélérer ça parce que j'aimerais bien que ce soit fini avant que ça, ça ne se fasse. Voilà, ah, par contre là on va casser. Toujours le problème de pilier. Parfait. Ok, tout ça, ça a été fait, mais pas celui-là. Hein? Je vais le faire. Et là, on est bientôt prêt. On va quand même d'abord faire tout ça. Pas d'électricité, c'est pas un souci. On va réparer, réparer et ouvrir quelqu'un de plus. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'ouvrir quelqu'un de plus. Et là maintenant, j'ai dit que j'allais le faire. Donc t'es mignon. Mais tu me laisses tranquille. Parce que je vais vraiment le faire là tout de suite, alors voilà quoi. Si tu m'empêches de travailler, après c'est pas toi qui... Voilà, c'est pas bien de venir gueuler que c'est pas fait, parce qu'en fait c'est de votre faute si c'est pas fait. Allez, allez, allez. Là ça booste, là ça booste. Ça j'en ai plein, donc je pourrais mettre ça à jour, mais sans booster. Tu ouvriers, très occupé, les camions. Ça me fait penser que... Ouais, bah, ça fera quand ça fera. On peut le déposer, celui-là, peut-être. Ça me paraît bien. Voilà, on va commencer à faire des pièces. Bon, on y va pour les dépôts de maintenance. Hein. Trois espaces. Voilà, le tapis. Hein, parce que là, je vois bien que ça gueule. Réserve de nourriture basse, mais tu me l'as déjà dit. Non, c'est nouveau réfugié. Ça marche. Ok. On a l'air bien là, regarde la maintenance. Ça. Tac tac, je casse ça maintenant, t'as vu? Et puis là, on a 35 ouvriers, donc bam, je débloque ça. Pareil, ça non plus. Ça n'ira que sur le tapis. Parce que là, il y a ce qu'il faut. C'est rien, ça. Regarde, là, maintenant, ça en fait plein, là.
tourne à fond là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je me demandais si vous pouvez pas téléporter les ressources par une espèce d'ascenseur en mettant des trucs comme ça les uns sur les autres. Heureusement non. Ça y est, ça commence à fournir. Hein. Et surtout, les recherches ont été lancées. La nourriture, 9 mois, je suis tranquille. C'est pas vrai qu'il n'y a pas assez de maintenance. Tu dis n'importe quoi. Là, on a presque fini là. Allez, go, go, go là. Donc là, on fait du 6, on ne consomme que du 1,5 en partie mécanique, pas besoin d'upgrader celui-là, même si on upgrade celui-là. Là, on fait du 6 et on consomme du 6, donc c'est pareil, ça reste comme ça. Ouch, 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 il manque vraiment plus que ça. Ok. Import par camion, non. 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 Et non. Et ici on a des pièces, ouais, ça commence à se stocker. Ça c'est beau tout ça. Bon bah là j'ai fini. Là, j'ai presque fini. On attend. Population 436 sur 480, de toute évidence. On va remettre un petit coup. Hop, logement 1. Logement 1. 160 comme ça, ça va le faire. Ça, ça me dit que c'est pas en forme. Ah, je vais réparer. Les camions vont sortir bientôt. Là, ça produit à la vitesse où ça produit. Calmement. 3 par mois. Un camion tous les 7 mois. Oui, bah oui. Hein. Allez. No stress, hein. J'appuie sur la touche pour couper pendant que je buvais mon café, mais j'ai parlé en même temps. Je disais, on n'est pas hyper stressé non plus, quoique. Je sais pas si vous l'aviez entendu. Trop de café, tue le café. Allez, là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bah écoutez, moi, finalement, je le booste, celui-ci. Voilà, parce que, hein, ça va bien. Alors, il me faut de la pop, quand même, hein. Il faut quand même de la pop là parce que les 16 qui arrivent là, ils sont pour les deux labos. Oups, 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 consomme trop, consomme tôt. Allez, c'est parti. Et voilà, plus de pièces automobiles, on est nickel. Allez. Moi le focus là-dessus parce qu'on veut aller dégommer le bonhomme. Ah, moins un ouvrier, ouais, c'est vrai. Ben, je vais acheter un ouvrier. Voilà, et de toute façon, si je veux upgrader ça, après on a 13 mois de bouffe, donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'upgrader donc. Les fermes, je vais les upgrader mollo. Mollo, 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 parce que ça va me consommer pas mal de personnes, hein, de personnel. Un petit peu d'énergie, un petit peu de maintenance et beaucoup de personnel. Donc, hein. Alors, on attend pour faire le carburant avancé qui arrive ici. Le carburant avancé qui arrive ici, c'est cette recette-là. 54 fait 48 et 48 fait 36. 54 fait 36. Nous, pour l'instant, on est dans la recette à 54 fait 24. C'est donc 50% plus efficace. Super. Mais derrière, on va produire du pétrole lourd, de l'eau acide et de l'huile légère. On peut tout brûler là, au départ. Super, mais on va attendre de faire un setting beaucoup plus intéressant. Combustion du gaz. Je peux brûler mon pétrole lourd et mon huile légère pour faire de la vapeur. Or, il se trouvait justement que là, j'avais besoin de vapeur pour faire mes recettes. Et que cette vapeur, je la trouvais dans du charbon. Plus besoin de charbon
pour faire ça, on a besoin d'eau, certes, mais plus besoin de charbon pour faire ma vapeur. J'aurai ici, dans combustion du gaz, de quoi, à partir de l'eau, faire ma vapeur au taux de 1 pour 1 en brûlant ce que j'aurai en trop. Le reste, s'il y a trop de résidus de machin, on pourra toujours le mettre de côté pour le stocker et éventuellement brûler quand ça sera plein. Tout simplement parce qu'on aura besoin de vapeur pour faire d'autres choses plus tard. Quoi qu'il en soit, on peut faire notre vapeur à partir de ça plutôt qu'à partir de charbon. On peut se passer du charbon si on a la patience. Il nous reste toujours cette eau acide qui est rejetée ici. Et bien si on vient jusqu'ici à traitement du soufre, on peut se servir d'eau acide plus un petit peu de vapeur. On sait que 24 eaux, ça fait 24 vapeurs. Donc on n'utilise qu'un quart de vapeur. Et pour la transformer en eau justement. Et donc, nos besoins en eau peuvent être financés par l'eau acide issue du pétrole. À partir de là, on aura besoin de beaucoup moins d'eau, ou peut-être même qu'on sera en train de faire trop d'eau, je ne sais pas, il faudrait calculer. Donc en tout cas, on aura beaucoup de besoin de moins d'eau, et plus du tout besoin de charbon si on fait un setting bien propre. On va donc faire ce setting bien propre, qui va à la fois nous créer du soufre, et nous permettre de gaspiller moins d'eau, moins de charbon. C'est évidemment, il faut attendre avant de faire votre setting, d'avoir toutes ces recettes-là. Voilà, réserve de nourriture basse. Oui, mais 10 mois, c'est que ça monte. Hein. 14 ouvriers, alors que ça, ça a été fait. C'est donc plutôt tout bénef. Oups. Je crois que j'ai cliqué sur quelque chose. Parfait. Et si on a des trucs en avance. Là, on fait des pièces. Les véhicules doivent commencer à sortir. Et bien, tout à fait. Maintenant, c'est les camions qui commencent à sortir. Et là, pour le coup, les camions, ça va être un tous les 3 mois et demi à peu près. Donc, 3 camions et quelques par an. Ça va quand même dépoter. Là, on a notre maintenance qui est tip-top. Plus d'inquiétude. Ça consomme de l'énergie, par contre, mais on est en train de remplir notre barre de maintenance à la vitesse phénoménale. Dans la vitesse phénoménale. Donc, ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir un petit peu de truc ici. Et puis là, on est... Ah, oh, ça, ça a été construit. Bon, bah, moi, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire, mais en fait, si, je sais quoi faire. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de ça. Et je vais me faire super méga plaise. On va économiser des camions. On va maintenant monter. Non, on va faire passer d'abord notre tuyau d'eau. Et nos pompes. Tiens, on va faire les pompes à eau. On va préparer nos fermes améliorées. Collision avec ferme de quoi? Et toi la ferme? Deux pompes à eau. Et ces pompes à eau, on va les relier avec un équilibreur de tuyaux. C'est pas merveilleux. Et ensuite, on remonte à la hauteur de... Là. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire nos convoyeurs ici. Quoi? Toi aussi, t'es à hauteur 3? Ben moi, je vais descendre à hauteur 2. Et hop là! Nous y voilà! Oh, arrête ton char, là! Attendez, parce que cette ferme, là, je crois que je les ai mises à l'envers, moi, les fermes. Oups, ça va pas plaire. Zouf.
Allez hop. Du coup, je vais construire la ferme irriguée tout de suite, hein. Et ok. Bon, et ben du coup, je peux relier les tuyaux. Et de toute façon, tu me parlais, tu voulais me sûrement me dire quelque chose. J'avoue, j'ai pas écouté. Carburant avancé. Ah, et arme du navire. Oh, bah alors. Hein? 1,35? Vous êtes des malades? Je peux pas faire ça, moi. Bah, va falloir vous calmer quand même, hein. Alors, combien on a ici? Il nous faudrait 80. Waouh! On est trop bien. On n'est pas trop en rade ici. On va peut-être améliorer un peu. Le problème, c'est qu'on va manquer. Voilà, on manque de cuivre. Parce que je fais 19 de cuivre. Et si je mets ça, ça va faire trop d'énergie. Donc, on va manquer un peu de cuivre, on aura un petit peu de manque de ça, mais ça ne devrait pas nous mettre trop dans le mal. Ça ne devrait même pas nous mettre du tout dans le mal. Alors, fini avec la pompe. Dans un premier temps. On est à 15 mois de nourriture, on est nickel. Donc, le tapis, non, le tapis, c'est loin d'être fini. Donc fini d'avoir avec la pompe. Bah la pompe c'est fini. Donc maintenant c'est le tapis. GG tapis. Oh non, ah non, non, non. Vous savez rouler les gars quand même. Faut pas déconner, non? Bon, ici. Qu'est-ce que tu sais pas décharger, toi? Du cuivre. Ah, mais c'est trop la bonne nouvelle. Allez, allez. On est à fond là, hein, donc on est très bon. Des camions, évidemment, on doit en avoir plein maintenant. 14 et 2. Bon, on est full. Là, ça tourne plus, on consomme un peu moins. La maintenance, c'est pareil. Ça, si, ça tourne encore. Enfin, on est à 100%, ça tourne pas tout le temps. Ouais, j'aurais aimé savoir ce qui consommait. Bon. Capitainerie, la torchère, les carburants, la chose. Alors là, évidemment, on monte pas. Hein. Le tapis a été fait. Et maintenant, le charbon, il va tout seul. Et ça, c'est grave magique. Parce que là, il y a marqué non, import par camion, absolument pas. Et du coup, garder plein, point barre. Donc si je fais un port par canon, ça t'enlève le garder plein. Bah écoute. Attends, on le saura. Mais sûrement commencer à me faire les fermes maintenant. À moins que. À moins que.
Voilà, hop. Terminé, arme du navire, on y va. Allez, canon avant, canon arrière. On a tout ce qu'il faut. Go. Bon, par contre, les camions, ils vont être... qu'est-ce qui se passe? Au secours, pourquoi? Voilà. Oh! On a quasiment fait la ferme là. Donc déjà, ça c'est des légumes et de l'engrais vert. Ça c'est pareil. C'est des légumes et de l'engrais vert. Nourriture 13 mois, on est bien, on est très très bien. Nos soucis. Ici, les camions ils en peuvent plus, on l'avait prévu. Dès qu'on est à 60, on peut finir notre tapis. Et les camions, bah ça va les aider, mine de rien. Il restera encore à ramener les fruits et légumes hein, jusqu'ici et à gérer aussi nos déchets. Bon, pour l'instant, on les gère à la façon où je booste mon île et ma rampe. Bah, ma rampe, elle avance hein, et il n'y a pas de déchets dedans, vous voyez. Marche bien. Des réserves de nourriture basse, oui, ça baisse un peu, mais ça va remonter là du coup. Mec, tu fasses ça en premier. Qu'on est bien aligné là. Ouais. Mais non. J'ai dit ça en premier. D'accord, parce que c'est temps les oiseaux. Et hop, c'est parti. Du charbon qui va à droite, mais sauf qu'il y a du charbon qui va nulle part là. Pourquoi tu me mets pas mon charbon? Non, on n'exporte pas. Et là maintenant, c'est pareil. Hop, on n'importe pas. Allez, go. Et maintenant, faut l'amener ici. Là. Hop là. Non, non, non. Pas du sol. Hein. Hop là. Et voilà. De moins en moins de gestion du charbon. Alors, j'en consomme ici, certes, mais justement, le but, c'est de refaire ce setting pour ne plus en consommer. Donc, je ne vais pas amener mon charbon. Ah, tu me l'as fait, la ferme? Ah ouais, carrément. Et ça va trop vite. Et les armes, ça a été installé? Mais oui, on attend le blindage. Attends, grave le blindage.
Qui va me coûter 400, je les ai quasiment là. Hop, mais tout. Ah! Il y a déjà une priorité. Oups! J'aurais peut-être dû l'enlever cette priorité, quoique ça a bien marché quand même. Ben, c'est vrai que ça met en panne tout le reste, mais ça re-remplit plus vite le truc. Pour le coup. Ce qui est pas si mal, je vais laisser comme ça parce que ça a l'air déjà presque rempli à une grande vitesse. Donc, et on a déjà deux fermes améliorées. On aura réussi à faire les recherches, à aller jusqu'au blindage du navire, lancer le blindage du navire. Et il sera prêt à attaquer au prochain épisode. On a fait toute la maintenance. On a remis un petit peu plus en forme les pièces mécaniques et les pièces pour automobile. On a fait une flotte de véhicules. On a même plein de camions qui s'ennuient. On a boosté nos fermes hein, comme pas possible, puisqu'on en a rajouté deux et on les irrigue. Et surtout, on a relié partout, 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 partout. Alors, on aurait besoin de plus de cuivre, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas tenir le choc au niveau énergétique, donc j'attends un petit peu de pouvoir faire mon setting. Allez, blindage du navire. Ça avance vite les recherches là. Hein. Paf, paf, paf. Ça avance très vite. J'ai 72 ouvriers. Par contre, je vais me calmer ici sur l'unité. Ça tombe bien. En plus, on a avec l'eau, on a amélioré. Avec l'électricité de la ville, on améliorera encore un coup. Allez, zou. Blindage, blindage. Et ici, on voit que je peux pas changer. Et là non plus. Allez, 400 plaques. J'en avais 360. Les camions sont à nouveau en panique, mais il y en a 19. Ça devrait quand même aller nettement mieux. Et ils sont tous là, regardez. C'est la ruée vers la plaque. Ah ouais, non, ça devrait aller très 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 vite. Regardez-moi ça. Regardez, ils sont comme des fous. C'est la course, quoi. T'as gagné, toi. Pick-up numéro 723. Voilà. Ils sont en train de m'apporter des trucs à toute vitesse. Ça se construit quasiment instantanément quand ça construit. Toi, t'es venu à vide là. Ah, t'es venu voler mon carburant, t'es sérieux? Ah oui? D'accord, parce que j'ai du carburant qui arrive et je dis que j'en veux pas. Donc du coup, il le remet là. C'est malin. Allez. Dépôt de marchandises, c'est ce qui sera nécessaire pour faire un dépôt de marchandises ici. Aller réparer des paquebots, j'aurais pu aller réparer un cargo, mais ça m'aurait coûté les plaques en fer que je mettais précieusement de côté. Et aller lancer la plateforme pétrolière, mais c'était un petit peu tôt. Je préfère d'abord lancer mon nouveau setting de fabrication de pétrole, puis après de génération d'électricité, justement à base de vapeur. Et on pourra réutiliser peut-être le surplus des trucs qu'on peut brûler pour cette vapeur qui va servir à faire de l'électricité ensuite. Et non plus du carburant qu'on brûle dans des générateurs. Ce qui fait qu'on aura un meilleur ratio. Là, on a vu qu'on avait gagné, qu'on était passé de 50% à 75%. On va passer de 50 à 75. Mais pareil, en utilisant de la vapeur, on aura un meilleur ratio qu'en brûlant du carburant directement. Donc, quand tu le sens. Parce qu'on brûle du carburant, enfin des trucs servant à faire plus ou moins du carburant pour faire de la vapeur qui servent. Modification du navire terminée. Allez. Passer d'équipage, tu rigoles? Go! On n'a plus de nourriture. Mais c'est pas grave. Bataille! C'est parti! Il est parti se battre. Et regardez, on a les canons devant, on a des canons derrière, on a du blindage, je sais pas où. Ça doit être le blindage, ça. Ça rigole pas. Hein. Ouch, ouch, ouch. Bien. Et puis, bah, du coup, on a nos fermes améliorées qui ont été faites, pas toutes. Donc je vais lancer l'amélioration de toutes les fermes. Parce qu'on n'a plus grand-chose d'autre à faire. Ça ne consomme pas d'énergie, donc ça c'est rassurant. Au niveau de la population, on est bien. Et ça, c'est pour faire des trucs de niveau 3, puis 2, puis 1. Donc, pour l'instant, j'en reste là. Les stocks qui sont dans les trucs sont suffisants. Et les recherches avancent très 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 vite. On va d'ailleurs pouvoir aller sur la map et dire qu'on va réparer ce bateau. Et dire que démarrer le chargement pour le cargo est endommagé. Ça, il va tout m'amener ici.
tout ce qu'on avait. Et on va terminer par cette première bataille, hein, l'épisode. Et je rajoute quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc pendant la bataille, hein, je vais laisser la bataille pour y regarder et je réponds à vos questions. Voilà pour la bataille. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et à tout de suite pour la suite.